Salut à tous. Voilà, bon, aujourd'hui on vient un truc assez exceptionnel. On rentre de longues vacances, 4 jours à la campagne pour le jour de l'an. Et puis je veux prendre mon scooter hier soir pour aller au restaurant. Il a été volé. Donc je suis assez triste, tu vois, je me dis qu'il a peut-être été enlevé, etc. Donc j'appelle quand même la fourrière, qui me donne une très très bonne nouvelle. Mon scooter n'a pas été enlevé, il a juste été déplacé pour le jour de l'an parce que les Champs-Élysées, apparemment, c'est une zone à risque. J'étais pas au courant, parce que moi, en 4 ans, je me suis jamais fait voler mon scooter. Et donc on l'a déplacé à avenue Foch, à Lampadaire, parce que c'est quand même une avenue qui fait presque, pas, qui fait 600 mètres. Et on l'a déplacé au Lampadaire 1080. Alors, l'Lampadaire 1080, c'est quoi? C'est une voiture qui passe qui fait du bruit. C'est une dépanneuse qui passe qui fait du bruit. C'est le retour à la vidéo. Et certainement celle qui t'a pris ton scooter. Là. Peut-être celle-là. Et donc au final, on arrive au lampadaire, parce qu'on trouve finalement ce lampadaire 4810. Et il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 scooters, mais il n'y a pas le mien. Et donc, j'appelle la fourrière et ils me disent: ah bah écoutez, on a dû vous le voler. Donc, je leur demande clairement, je leur dis: excusez-moi, donc en gros, mon scooter était sécurisé dans une zone assez cool. Vous avez décidé de le déplacer, on me le vole. Et maintenant, je dois m'en racheter un, c'est ça? Ils me font: ah bah oui, tout à fait. On n'est pas responsable. Je dis: mais c'est pas possible. Je veux dire, moi je pars tranquillement en vacances, vous dites que vous le déplacez pour justement qu'il se fasse pas voler. Vous le mettez dans l'avenue la plus déserte de Paris. Il se fait voler. Et puis c'est pas de votre faute. C'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Donc, la solution. La solution, c'est quoi là? Il n'y a pas de solution, c'est incroyable. Donc, okay. Je suis péter mon scooter. Et le mec me dit: portez quand même plainte au cas où, parce que si les malfaiteurs font des trucs illégaux, ce sera votre faute. Alors, c'est génial. Donc, en gros, si tu laisses ton scooter à un endroit où tu sais, quand tu te gardes, tu fais: bon, allez, ici c'est bien, on va pas me le taper dans la nuit, etc. Et bien, sache que si tu prends bien tes précautions, peut-être que la préfecture, la putain de préfecture, va venir te le prendre, te le mettre ailleurs pour dire: là-bas c'est plus sécurisé. On va te le voler là-bas et puis on te dira: ah ouais, bon merde, bah, on a mal joué notre coup, dommage. Donc, c'est cool. J'adore Paris, j'adore la France, j'adore cette façon de faire, j'adore les sourires qu'ils te font pour dire que c'est pas de leur faute. Désolé. Vous en culminez tous. C'est vraiment des gros fils de pute. Et salut à tous, et on aime la police française et sa préfecture. Merci à vous.